Merci, Monsieur le Président, et merci de m'avoir permis de m'exprimer, car je ne vous cacherai pas mon émotion ce soir. Dans quelques minutes, vous voterez une loi qui vous échappe déjà. Une loi qui va nous faire passer d'un monde à l'autre, d'une sagesse à une sorte d'ivresse. Ce qui a été vrai pendant des millénaires va être aujourd'hui bouleversé par un mensonge organisé, ici même, par votre faute. Ce mensonge est de faire croire à des enfants qu'ils peuvent naître de deux femmes et malheureusement sans père. Et pour consolider ce mensonge, vous avez choisi de transformer du sol au plafond le droit de la filiation. Que dire de cette étrange conception de la nature humaine où des embryons humains sont manipulés comme s'ils n'étaient qu'un tas de cellules? Que dire de cette conception du législateur qui, pour vous, devrait cautionner certaines pratiques scientifiques? Je pense bien sûr aux chimères animal-homme, alors que nous devrions au contraire les encadrer rigoureusement. On se souviendra de cette loi, non qu'elle élève notre nation, mais bien parce qu'elle enclenche une terrible décadence éthique, où finalement aucun principe ne peut être fondateur, puisque tous sont à vos yeux relatifs. Je pense ici à l'intérêt supérieur de l'enfant qui a été nié au point que nous avons subi des discussions surréalistes sur les pères-mères ou les mères-pères. Sans une seconde, je dis bien sans une seconde, se demander ce que cela impliquait pour un enfant d'avoir un homme comme mère ou inversement. Ce qui s'est passé ici cette semaine n'est pas digne. Des débats qui en ont cantonné certains au silence, des amendements que nous n'avons pas pu défendre et le plus souvent, une absence de réponse qui confinait au mépris. Alors non, décidément, ce n'est pas une loi d'amour comme vous le prétendez, mais plutôt la consécration du désir d'enfant, du droit à l'enfant, jusqu'à s'affranchir du bon sens pour assouvir les envies et les désirs de certains. Et cela, je ne le voterai pas. Je vous remercie. Merci, Madame Ménard. Nous en avons fini avec les interventions personnelles. Nous allons maintenant examiner les explications de vote et entendre les explications.